c'est que cette histoire? Comment ça se fait qu'il y a des compagnies israéliennes qui font du business ici? Des compagnies israéliennes qui contrôlent les Palestiniens sur leur propre terre? Des compagnies belges ou des compagnies internationales qui arment les F-16, qui bombardent Israël, et notre gouvernement les autorise à faire du business ici? C'est qui est responsable? Il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités. Il est aveugle, il est sourd, non? Alors il est hypocrite, mais nous on est là pour lui rappeler ce qu'il doit faire. أن الحرب الآن على الشعب الفلسطيني بدأت أو بهذه المعركة بدأت منذ أسبوعين أو ثلاثة فهو مخطئ. الحرب الهوجاء على الشعب الفلسطيني هي منذ أكثر من 66 عاما. Et je voudrais juste rappeler pour ceux qui l'ignorent que la lutte palestinienne n'a pas commencé il y a 3 semaines avec les massacres que l'on connaît maintenant à Gaza. Cette lutte a commencé il y a plus de 66 ans. Marwan Barghouti, je le cite, le chemin de la liberté et de la dignité est pavé de sacrifices. Les nations ne doivent pas baisser les bras. Elles ne peuvent pas être vaincues et doivent refuser de coexister avec l'oppression et l'occupation. Notre peuple doit unifier ses efforts pour en finir avec l'occupation et incarner l'unité nationale qui constitue la loi de la victoire pour les peuples opprimés. Solidarité avec le peuple palestinien. Solidarité avec le peuple. Nous le sommes tous, le palestinien. Nous le sommes tous, le palestinien. Nous le sommes tous, le palestinien. Nous le sommes tous, tous ensemble pour la Palestine. Tous ensemble, tous ensemble pour la Palestine. Tous ensemble, tous ensemble pour la Palestine. Shana Walid Muhammad Abu Hamas, Hussam Abu Kina, Ahmed Ayman Mohor, Siyam Mustafa Nabil, Okay.